Comment me dire, vous connaissez qui fait par exemple une alliance aujourd'hui avec Résistance et Alternative, Travailliste, MMM, Nouveau Démocrate? C'est parce qu'on épouse les mêmes idées sur certaines idées majeures qui auraient trouvé dans l'accord. Il y a convergence, il y a commonalities. We agree on the major issues qui vous trouvez là-dedans. Et on se reconnaît là-dedans. Mon cas dire quelque chose, c'est que le côté révolutionnaire, je ne pas dire de façon méchante, hein, révolutionnaire en termes d'idées de résistance et d'alternative, c'est une bouffée de fraîcheur. Hein, c'est une bouffée d'air frais qui nous bizarre, au fait. Au fin, un ministre sautant, au fin, 10 ans ministre sautant, donc on parle d'une élection en tant que ministre sautant. 10 ans, non, 10 ans cela. Quand même. Allez. Non, quand même, en 2014. Oui, au fin des arts, on va redire. En 2014, mais... on est en 2024. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Et moi, bien content qu'il finisse dans ce temps-là. Parce que ça finit donne-moi la possibilité de comprendre exactement ce que la population a besoin. Donc, ça finit faire moi... Parce qu'à là, on peut dire de, ah oui. la défaite et la traversée du désert. C'était important, ça. Parce que c'est là qu'on connaît côte exactement où même on fait l'erreur. Côte où même... ou fin prône une politique de continuité, de système depuis l'indépendance qui vient. Mais il y a une faille dans ce système-là. Et quand on passe ce moment-là, on réalise, wait a minute, et là, je suis inaugmenté. 10 ans, une traversée.